vidéo là, il y a deux grands complots déjoués contre le Mali et le Burkina Faso. On dit bravo au président Maréchal Hassimi, on dit bravo au président général Ibrahim Traoré. Là, les complots sont les suivants. Et d'abord, aujourd'hui, l'homme d'affaires américain, Claude David, il est actuellement au Mali, je ne sais pas s'il a quitté. Il vient de dire que les groupes terroristes de la CEMA avaient eu des discussions avec des compagnies pétrolières. Des compagnies pétrolières. C'est-à-dire que les rebelles armés du nord du Mali sont en train de négocier les ressources minières, les contrats des ressources minières du nord du Mali. Du jamais vu. Au Burkina Faso, RFI et France 24 sont en train d'acquiger l'armée burkinabé, plus particulièrement les Mossi, de commettre les génocides contre le peuple. Cher peuple du Mali, cher peuple du Burkina Faso, c'est le moment d'essayer de donner les mains contre les impérialistes français. Maliens, combien de vous avant d'aller loin, vraiment, on dit bravo à nos frères qui sont sortis aujourd'hui. Ambalma Mounoumbora Bikata parler de les forces du changement. Moi, nous pourrons parler de la culture là, communisme à Takakaboué. Vraiment, on dit bravo. Moi, je pourrons tous ceux qui sont sortis pour demander le départ de l'aménagement. Félicitations et bon travail. Vraiment, on est de cœur. La prochaine fois, Namebo, nous allons au boulevard de l'indépendance. En tête par les Konoblinde, mais à Nyana, vraiment, les gars sont sortis. Bravo à vous tous. Malion, amène de nouvelles de Konana. Malion, déjà, amène Mbela. Rebellissement moro ja at morale makma il faudrait américain ka et comment on appelle Claude David Combes mettre la ka a photo il a aula américain ka avocat homme d'affaires de Boraka et révélation badoke malien de bra de kan vidéo partagé ko comme mali dougu du ko femme nous même mali nor là ko aywa ko mali ka négocier ni Amadou Koufaï comme mali ka négocier ni Iyad Agalié pour que Bembe Sekana Chokoya Mina. Quoi sinon, quoi au groupe armé d'Obe, quoi Sema, quand il va quoi au loup commencera à Mali, déjà avec quel est là, déjà ministre de fait Mali Katan Noir là, déjà ministre, déjà Franci, quel est le mec à Kidali, Mali armé Balikate donc Kidali, déjà Mali Dougoro, femme ou même Mali Noir là, déjà Erebelou ni Franci, quel est le mec à Teremeta Bampeu, avant Mali on a voulu quand j'en ai Jamara de Tilato Flanabi, il m'a déjà Amadou Koufao. Il y a la galéo, à bête, ou à fin de l'année, ni couronnette, billahi, ou à laï, terrorisme, quoi, inquiète là. On ne va pas de quoi faire. Mais là, il y a révélation de Kawiede. Comment se peut-il que Abena Jo en Mabi? Mais maintenant, il y a révélation que Abessé Benébé à Orona. Bon, comment de goulade? Et puis, bonne nouvelle, tout en bas, on fera bien, non. Bankas, Doronoka, Dougoula, Bankas, quoi, camion, belé, belé, bas, d'où des minéna, terrorisme, ou cas, terrorisme, ja, terrorisme, Mali armé, tarakata, terrorisme, ou fera. Terrorisme et commande de caisses ça. Terrorisme comme moto cro m'lalebe camion mono kabe garadro. Mali fort de sécurité mbé bankas mokti marala. Kouya a camion balajo. A mettre la ka photo na imagine là. Nous allons vous montrer toutes les images à l'appui. Vraiment, on dit bravo au peuple malien et au peuple de Burkina Faso. Malien kona mbeta ambesi. C'est ça. Amena poka information mira aula. Kon l'homme d'affaires. Amena oro kala sanno. Malien. Qu'il faut très urgent complot contre le Mali et le Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est vendredi 28 avril 2023. Nous allons commencer par le complot contre le Mali d'abord. Le complot contre le Mali, c'est l'annexion de certaines mines par les groupes terroristes de la CEMA. Malion, nan sigire manga ou langan jode, ewa ala sabo au sabo, ko erebeli CEMA moro. Malion, comment vous connaissez? Tabakoro de Kalendu. Ko erebeli sema moro. Ko keleme kata mali dugu jukoro femu nube kidali. Ja ko keleme ka termini tubabu de ye. Moro mi mborana erebelasyon yen américain de do. A photo fle, mena tiye photo bokaïda. A ou name je ka photo la jenye refe. C'est un avocat américain qui a fait cette grande révélation. Ko ni malion sigile, mais ko malion ga wuli ki jode. A toko ko Claude, ko l'avocat et homme d'affaires américain. Claude David Cambeser. Aéroflare, la chef photo flair. Ni américain ka, ni américain ka homme d'affaires de un avocat américain. Ni ne voilà ka, faut qu'on malien, qu'on a aussi l'aimé.
Kaiwa, ko erebelu ya Mali pétrole bien ferré ka bande. Erebelu fla kata, ja erebelu kele ka Mali pétrole, Mali nero pétrole de. Ja uni Francis kele ka terme ka bani. Imo yo ko kule la, na nge terusu fa matron, erebelu dimi dusu be tien. C'est-à-dire terusu kele ka to sena, au bout d'un kana dugu jukoro fa on ferré, on est plan bou boulou. Américain ba homme d'affaires in flene orla. Ko Claude Davis a photo fla orla, malien dem bena jelin kala je, a photo fla ya. Ako comme le gouvernement qui a négocié ni Iyad Agalié, qui a négocié ni Amadou Koufaye, qui pour que quoi bémé ce cana, qui bémé don don nous sera. Oh, président Assimi est le chef de cabinet John Yofara. Moi, nous Yofara, Iyad Agalié, quoi, al Iyad Agalié de Bora, quel est président Assimi qui est chef de cabinet Fara? Est-ce que Assimi veut son avocat, il veut négocier ni moi, Iyad est le chef de cabinet Fara? Oui, quel est-il? Flora Fara, tout le monde, oh, Iyad Agalié, quel est-il? Quel est président Assimi qui est chef de cabinet Fara? Oh, Iyad Agalié, quel est-il? Quoi déjà on est rébellissement moro de be Kidali ou d'adon parce que ministre Gentolado ou te fait malika Kidali sur yere ou même fait malini il y a de agalika djeka barake et tenir droit ma de malion ko fo malini il y a de agalika tege di nyoma ko ni Amadou Koufa ko ale rebeke ko ni malini fait ka négocier ni il y a de agalini Amadou Koufa ka le rebe djo a sereya koro américain nga tchedo de ko Claude David Cambenser a photo flarola ni tchedo ko Quand il m'a négocier ni Iyad Agalié ni Amadou Koufa, ja allez voir Yorodo, ja on veut Iyad Agalié Yorodo, ja on veut Amadou Koufa Yorodo. Quand aïe qu'on veut négocier, comme Malini Iyad Agalié kabé, comme Malini Amadou Koufa kabé, qu'on okera, comme Mali pétrole ben Mali nafa, comme bébé ben, comme bébé tigre ni roma, eh Malion, eh, moi mon ya en fanam baufra, quand angaski ka fokeni omroye. Ou des révélations bafflées. Aïe, une vidéo partagée, j'y ai avec Castro. Aïe, mon défaut, un article qu'on a malé. À ce moment-là, Flavor là. Je vais lire ça en français pour que les autres puissent comprendre. Qu'on fasse au. Voilà. Pour établir la paix au nord et au centre et permettre l'exploitation du pétrole, l'avocat et homme d'affaires américain Claude David Cambenser se propose un intermédiaire. Qu'on est malé, mais fait aller qu'à Beke. Ah, malé. Quand les Américains, comme quand les Maliens font la bengani, il y a des agalités. Quand allez ben n'importe comment, on est nous retient quoi? Eh, donc Maliens, toi où adores ça non? Nous nous mourons de ronja au bout de ron. Où adores ça? L'armée malienne est en train de monter en puissance. Il m'a ouvert à ta baraburkina pour ma. Comme mon souverain à ta flou fera. À mettre là pour faire une vidéo cala. Mais que les Burkinabés et les Maliens regardent cette vidéo jusqu'à la fin. Des graves révélations. Incroyable complot démasqué contre le Mali et contre le Burkina Faso. Malion a eu des fois belles délégués. N'a rien tiré d'ignorant. Qu'on a mis à baisser. Aïe, on y aura. Donc, face aux médias, l'avocat et homme d'affaires américain Claude David a déclaré que les mouvements de coordination de l'Azawad Seba entretient une alliance avec des sociétés pétrolières dans le nord du Mali. Allahu Akbar. Malion aya tongani yoroni kalambela jelen kame. Un grave complot contre le Mali. Aya orla mede. Quand les rebelles de la CEMA entretiennent une alliance avec des sociétés pétrolières et minières dans le nord du Mali, tout en se proposant comme intermédiaire. L'Américain invite le gouvernement malien à ouvrir le dialogue avec Iyad Agalié et Amadou Koufa en vue de pacifier les régions du nord et du centre et permettre l'exploitation du pétrole pour toutes les parties coût de sa prestation. Qu'on a les bons baraques, qu'on a bien que Mali ni Iyad Agalié ni Nyonche, qu'on Mali ka milliard kele ani million kele droudalement. 1,5 milliard de francs CFA. Comme Maliga milliard kelani million kemen drou dalema kalebe benke malien deu ani Iyad Agalié ani Amadou Koufa ndonte Allahu Akbar eh le monde part en couille la ilaha illallah eh que Dieu protège le Mali et le Burkina Faso américain de Bora kalebe ta benke malien olu ni nyonte comme ka emballer sarani Amadou Koufa est malien Iyad Agalié est malien comme ka nga sikika foke ni olu ye ko sino ko ante la fia. On est dans tout le monde. Mais quoi, Amadou Koufa avec un bat. Bon, Mali, aérien, y'a ben nassade. Aérien, y'a balade. Que Dieu protège le Mali. Ah, que Dieu protège le Mali. Malien, aérien, y'aura la Dieu. On te mène pas avec un bala. En pour un coup, balon de fana kalamatounimbi. Eh, Malien, comme du Koukornana. Que Dieu bénisse le Mali et le Burkina Faso. En pour un coup, kalama, mena à photo, il a aulaka. Révélation badoke. Aérofle, aura mena kalam.
et français là après amba traduit bamanangana. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui malien? Quand les comment on appelle là Maintenant, la vidéo, on est en train de faire un peu de temps. On est en train tellement c'est émotionnel, tellement c'est incroyable. Vraiment, moi, quand j'ai vu la vidéo, là, j'ai eu les larmes aux yeux. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité du Mali viennent d'arrêter un camion rempli de commandes de moto des terroristes. Ah, Malien, comme vendredi, il y aura la main de Malien. Que tous les Maliens partagent ce côté-là. Une autre grave révélation que je vais vous faire aujourd'hui. Aujourd'hui, vendredi 28 avril 2023, les forces de défense et de sécurité ont intercepté un camion en provenance de Mopti dans la destination Essir-Koro. Le véhicule contenant des produits susceptibles d'être destinés à des groupes terroristes armés. Une enquête est ouverte. Le chauffeur est arrêté. Que Dieu bénisse l'armée malienne et l'armée burkinabé. Regardons ça d'abord. Force de défense et de sécurité ont intercepté un camion en provenance de Mopti dont la destination est sur Kourou. Le véhicule contenant des produits susceptibles d'être destinés à des groupes armés terroristes. Le gouverneur a effectué une sortie pour constater le camion et sa cargaison essentiellement composée de 102 motos de type absonique, gros cylindre, du riz, du sucre, des dattes, du biscuit, du lait, des bidons d'huile, de la tomate concentrée, bref, des produits alimentaires. Le chauffeur du camion est placé en garde à vue en attendant une enquête approfondie sur le sujet. Écoutons les responsables. Je voudrais sincèrement remercier et féliciter les forces de défense et de sécurité pour leur vigilance et leur professionnalisme ayant permis de mettre la main sur un certain nombre de produits suspects. Destiné peut-être à l'ennemi à cette période où ils sont en débandade, où leurs moyens logistiques. Voilà. Terrorisme ben fagara kuba, terrorisme djigi, ou djigi tirabi, awa ou tes chinorobi, awa terrorisme ka complice, ou bebe de seka chinorobi. Ouais, terrorisme, sa no kamara et terrorisme ka moto be djenika beba peu, terrorisme y a commandant kura de ketuni. Ou ga moto kura kura ou, terusu ya moto kura kura de komanin ke, ou blara ni kamyon de kono, ko kamyon ba de karani moto y dron, mali fort de sécurité, comment on appelle la, mali fort de sécurité, mali surasou, vraiment, ame moni bo kone fo, les chefs de service de renseignement, mali renseignement be top niveau la bi, ne manamana koke mali la bi dron, ibeye, niveau kebe mali dora bi dron, ibeye, bravo, bravo à la SE, bravo à Sadio Kamara aussi, ame Sadio Kamara fou, malion, ko, terrorisme nous ka complice ou kunkele me kata moto kura kura de sa kuba di terrorisme ou ma a moto kemeni moto flawantara moto koronton kone menena kamion ou non ani terrorisme ou ka draka anou ka tlerofona anou ka surofona awa komo bou ben fagabi komo be terrorisme ou fagabi de awa Sadio Kamara klara ka barala peo mori mo kone bara ke ka bandro kwa wako Sadio Kamara ka taga tola bara bana siksi bara bla aya terrorisme ou bunte kou ben faga ou tala tumo ni koumeta moto kura mi mbrasa ou ka draka anou ka surofona. Malien, bravo, le peuple malien, que Dieu bénisse le Mali. Malien, agneau de fois qu'on a metta en baissé, moi je suis découragé, le Mali va gagner, le Burkina va gagner. Malien, amène à toi Burkina Tala Sano. Et un complot très urgent et très incroyable. Des complots en cours contre le Burkina Faso. Je vais vous montrer. J'encourage le peuple burkinabé de rester derrière son armée. Aujourd'hui, les complots de France 24 et RFI viennent d'être dévoilés. Nous allons vous montrer quelques extraits. Et RFI et France 24, nous disons encore attention. Cher peuple du Burkina Faso, attention. Des intoxications, des sabotages de la montée en puissance contre les FDS et les VDP du Burkina Faso sont en cours depuis Quai d'Orsay en France. Chers peuples du Burkina Faso, restons vigilants. Donnons-nous la main et soutenons la transition du Burkina Faso. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques extraits des complots
fabriqué pièce par pièce par les voleurs criminels Macron contre le président patriote Ibrahim Traoré. Voilà ce que la France est en train de dire contre le Burkina Faso. Donc, restons unis et surtout évitons les amalgames. Malion, où y a galon très grand dans le Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est vendredi 28 avril 2023. Amen à Europe au Kaira, Aula Sanno. Français, on a débuté dans les Borabi, qui a galon très, qui a génocidé qui a au Rwanda, comme Moshu, écoutons-les, comme Moshu, mais qui a ta flou fera. Mali, pour nous, on a Moshu, mais qui a ta flou fera. Burkina Faso, comme Moshu, mais qui a ta flou fera. Aïe, il n'y a pas de Burkina Faso. Donc, France 24 et RFI sont en train d'accuser les Mossi contre les Peuls. La France 24 et RFI et quelques députés français sont en train de dire que les Mossi sont en train de planifier les génocides contre les Peuls. Et donc tout le monde est contre les Peuls. Au Mali et au Burkina Faso, c'est faux et archi faux. Malien, il s'agit d'un massacre de population civile qui est en train de donner un autre tour au conflit. Traditionnellement, le conflit au Burkina, comme d'ailleurs au Mali, était le conflit opposant de manière séculaire les populations sédentaires aux populations nomades. Au Burkina, notamment, les Mossi, ethnie ultra-majoritaire, à la fois dans le pays, dans le gouvernement, dans l'armée, sédentaires ruraux, opposés aux nomades peuls, accusés de soutenir les djihadistes. Et voilà que le massacre qui a eu lieu à Barga et Karma est un massacre de gens qui soutenaient Ibrahim Traoré, qui aimaient Ibrahim Traoré et qui sont des Mossi. Le conflit est donc en train de prendre une nouvelle... Voilà. Quand nous mettons à Ibrahim Traoré supporté, quand nous sommes des Mossi, 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 la France, cher peuple du Burkina Faso, la France veut préparer une intervention militaire contre le Burkina Faso. La France est en train de préparer une intervention militaire contre le Burkina Faso. Écoutons, écoutons, écoutons une fois de plus encore. Il s'agit d'un massacre de population civile qui est en train de donner un autre tour au conflit. Traditionnellement, le conflit au Burkina, comme d'ailleurs au Mali, était le conflit opposant de manière séculaire les populations sédentaires aux populations nomades. Au Burkina, notamment, les Mossi, ethnie ultra-majoritaire, à la fois dans le pays, dans le gouvernement, dans l'armée, sédentaires, ruraux, opposés aux nomades peuls, accusés de soutenir les djihadistes. Et voilà que le massacre qui a eu lieu à Barga et Karma est un massacre de gens qui soutenaient Ibrahim Traoré, qui aimaient Ibrahim Traoré, et qui sont des Mossi. Le conflit est donc en train de prendre une nouvelle dimension. Ce n'est plus seulement un conflit historique entre peuls et sédentaires, c'est un conflit qui montre la dérive d'une armée et de ses forces supplétives, prête à tout pour semer la terreur et pour régner par la peur. Que fait l'Union européenne, que fait la France par rapport à cette situation? Il est urgent de prendre la mesure d'une situation dramatique qui menace gravement la vie et la survie de dizaines, peut-être de centaines de milliers de citoyens burkinabés. Nous devrions entendre la leçon du Rwanda. Nous ne pouvons pas laisser le poison de la haine, le poison de la haine communautaire, le poison des représailles et du règne de la terreur s'étendre dans un nouveau pays africain. Nous courons le grand risque de voir des milices, nous courons le grand risque de voir des mercenaires, comme ceux de Wagner, s'instituer en garant de la paix parce que nous sommes incapables de la maintenir. Nous sommes incapables d'aider les pouvoirs légitimes à maintenir la paix civile et à maintenir cette condition qui est celle du développement et de la prospérité. Il est urgent que l'Union européenne et que la France prennent la mesure de ce qui se passe au Burkina. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Ce sont peut-être de nouveaux massacres qui se préparent. C'est une Afrique de l'Ouest qui est à feu et à sang. Il est urgent d'apaiser l'incendie. Ko ale be wole wole bla Francis ma ani ino européen ma ko nu ma wuli kata Burkina ko Ibrahim Traoré be nata fula be faga. Donc c'est une façon d'appeler l'OTAN pour intervenir au Burkina Faso. Ko nu u mataka Burkina ko Burkina président be fula be ban faga la aya o be ka mu fo mal la be ko kere ga Burkina ko ni Burkina be ma wuli ko moshu ko les moshi vont tuer les peuls. Voilà, il n'a même pas honte. Voilà un député européen qui se permet d'accuser un président patriote comme Ibrahim Traoré de traiter d'assassinat
entre le peuple africain, Malien, Burkinabéo, Awa, Aye, Ibrahim Traoré de Médé. Cher peuple du Burkina Faso, c'est le moment de faire l'union sacrée autour du président Ibrahim Traoré. Il y a un grand complot, une intervention militaire, c'est ça qui se prépare contre le Burkina et le Mali. Je ne vous cache pas. Donc, restons unis et faisons confiance à nos autorités de transition du Mali et du Burkina Faso. La lutte ne fait que commencer. Ces Occidentaux ne vont pas nous laisser en paix. Ça, je vous le dis et je le répète. Vous avez vu ce que l'avocat américain allait proposer au Mali? Comment se peut-il un Américain quitte aux États-Unis pour dire que je vais faire la paix entre les Maliens, mais vous allez me payer 1 milliard 500 millions pour que je fasse la paix entre deux peuples? Allahu Akbar, que Dieu protège le Mali et le Burkina Faso. Et pire encore, ce qui se passe à l'ombre, ça c'est la guerre géopolitique. Il traite, et écoutons encore ce qu'il dit contre les Wagner. C'est le même, lui c'est un député européen. Écoutons ce qu'il dit encore ici. Il est trop souvent malmené par les puissances coloniales ou par des intérêts étrangers. Et puis voilà que, voici quelques jours, dans les deux villages de Barga et de Karma, 150, 200 villageois ont été tués. Cette tuerie, réalisée par des hommes en uniforme de l'armée nationale, aurait été la réplique à un massacre de soldats et de forces supplétives réalisé une semaine avant, probablement par des djihadistes. En tout cas... Ko Burkina Faso be kataka flaw de faka ko ni francima wuli ka jo ko flaw bantofle Burkina de ko flako de bantofle Burkina. Que Dieu bénisse le Burkina et le Mali, restons unis, l'union fait la force. Que Dieu bénisse le Mali et le Burkina Faso en bekantike de nyoma. Vraiment yana nga bofido la amanga sherif ke ko sherif Cheikh Tiamé Aïdra Kaba ko froti mi frudimi bila koloni bila erandimi bila ne sherif Cheikh Tiamé Aïdra ka frota. Sherif Cheikh Tiamé Aïdra ka frok tabako frodo ni ata kolimi bila frodimi na erbi la biga bana ba peu aka numero 78 78 0303 ame vidéo bla orla ana er sera akambe. Vous êtes 4000 sur la ligne angum sera ta 10000 la main mpresele no akambe. Ciao ciao.